Démonstration de force dans l'est de l'Ukraine. Une colonne de véhicules blindés arborant le drapeau russe est arrivée ce mercredi à Slaviansk sous les cris de joie d'habitants. Slaviansk est contrôlée depuis dimanche par des insurgés armés pro-russes. Les dizaines d'hommes installés sur les blindés étaient vêtus d'uniformes sans insigne avec des rubans de Saint-Georges orange et noir, ordre honorifique des forces armées russes. Cet homme a affirmé être un parachutiste ukrainien. Les parachutistes sont passés du côté de la population, dit-il. Vous pouvez vous-même compter combien nous sommes au sein de cette armée d'autodéfense du Donbass. Армия самообороны Донбасса. Неважно. D'après les services spéciaux ukrainiens, les actions dans l'est de l'Ukraine sont dirigées par des officiers du renseignement militaire russe qui ont donné l'ordre de tirer pour tuer en direction des militaires ukrainiens.